Tous, c'est Chozo. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Double Dash. Alors oui, j'ai fait un peu de bordel parce que le temps de récupérer la manette de GameCube, même si je joue sur Wii. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien en ce début de reprise pour certains. Donc voilà, j'aurais dû laisser l'intro, mais bon, c'est pas grave. Appuyer sur Start, commencer. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas joué à Mario Kart. Il y a quoi? On va les mettre en 100 cm cube, histoire de rigoler un peu, parce que 50, franchement, c'est trop facile. Si je me souviens bien, quand on joue, ils sont à la ramasse derrière, donc ça le fait pas. Je vais jouer avec... Paratroopa et Diddy Kong. Et je vais prendre ma poussette favorite, la poussette bleue. Et on va aller se faire le royaume, enfin la coupe champignon. On commence avec le circuit Luigi, hein, vraiment très simple, avec une merveilleuse ou un merveilleux champ, peu comme vous voulez. Et voilà, c'est parti. Moi j'ai pas de son du tout. Oui, c'est normal, c'est dans le casque de Xbox. Oui, donc du coup j'ai pas de son. Mais c'est pas grave. Alors, ah, c'est sympa de jouer pas en écran scindé. D'habitude, c'est un peu avec les potes qu'on y joue. Donc du coup, moi ça m'arrange là. On est en écran bien grand, bien large. Donc c'est impeccable. Allez, bon, ça fait longtemps hein, que c'est sorti ce jeu, hein, bien sûr, c'est sur la GameCube. Pas mal de parties de plaisir dessus, hein, essayer de débloquer tous les personnages, faire toutes les courses, etc. Donc franchement, manger... J'ai failli bouffer une carapace deux fois, j'ai failli la bouffer. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu et on n'a même pas le temps de se gratter l'œil. C'est la merde. Ah merci, c'est sympa. Bon, bah une banane. Hop. Yeah, il y en a un qui l'a bouffé. Bon franchement, j'aurais peut-être pu le mettre en 150 en fait, hein, parce qu'ils sont assez simples. Même s'il y en a qui me fait chier derrière. Yeah, il l'a bouffé. Oh, putain. Yeah, merci, sympa de me ralentir. Ou alors sachez que ma vitesse, la vitesse de la poussette, elle a une accélération assez bonne, je trouve. Par contre, après, elle a pas, merde, elle a pas une super vitesse de pointe, disons. Oh, la belle carapace de Bowser. Tiens, mange ça dans les dents. Oh, il y en a qui joue avec les bobombes. Ça change, hop, viens ici, toi. Merci. Oui, le nombre de fois où j'ai fait le jeu, je connais la musique par cœur, même si je l'entends pas. Et oh, doucement, ben, oh, priorité à ceux qui sont à droite. Oh putain, merci le dernier quoi. Alors ça, j'aime vraiment pas ça, on est tout petit là. Hop, voilà, on a fini. Et voilà, impeccable. Bon, en fait, ça va. La reprise est bonne, hein. Je pensais que ça allait être pire que ça, en fait, non. Bon, en même temps, il y a juste à appuyer sur A et diriger, switcher de personnage, et puis c'est bon. Donc, franchement, c'est pas trop dur, hein. Il n'y a pas beaucoup de réflexes à avoir, quoi. Donc, franchement, c'est tranquille. Oui, c'est bon, j'ai mis en route la vidéo et le... Le son du micro, parce que sinon je vais me faire niquer comme le duo, ça va pas le faire du tout. Donc voilà, bon, alors là c'est la plage piche, et allez vas-y, je te pousse et tout, hein, c'est la fête. Et oh, copieur, en plus il a la même poussette. Alors qu'est-ce que j'ai, impeccable. Tiens, mange ça dans les dents. Ta-ta-ta. Hop, la poussette, la plage avec les cataquacs, c'est génial. Donc,
C'est franchement c'est tranquille, c'est l'univers Mario quoi, qu'est-ce que vous, je ne vous veux pas. Et dans la bonne ligne droite là, on va se les faire ou pas. Voilà, c'est cool. Youh, j'ai failli glisser. Tour 2, oh, impeccable. Je suis deuxième. Ah oui, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Vite, hein. Faut que j'en dépêche quand même. Tour 2, tiens, mange ça. Mange ça et mange ça. Ah dommage. Je sais pas ce sera pour qui, mais ce sera pour personne en fait. Et c'est dommage, il se fait pas toucher par les cataquacks. Ça m'aurait arrangé. Et c'est quoi ça, champignon? Aïe, oui, mais non, ça c'était pas le champignon là. Allez, on a quoi pour le dernier tour, bien sûr. Pas de cube. Oh. Le petit ramène sa fraise. Putain, c'est dommage qu'on n'ait pas le. Qu'on n'ait pas un rétroviseur quand même pour regarder un peu ce qui se passe derrière, où ils sont, parce que là, en fait, ils me rattrapent. Je le vois sur la carte du côté. Et c'est moche. C'est moche, c'est moche. On va passer tout droit, écoute. Oui, j'avais envie d'y jouer un petit peu. Qu'est-ce que toi, toi? J'avais envie d'y jouer un petit peu, histoire de vous faire redécouvrir ou découvrir, pour ceux qui n'ont pas connu ce Mario Kart, double dash, hein, parce qu'on peut jouer avec deux personnages. Alors que sur Mario Kart, oui, c'est un personnage, mais on peut choisir des scouts, des paquebots, des tanks, et... non, je plaisante. On peut choisir des scouts et des poussettes et tout, je crois. Des motos et tout ça. Et là, c'est pas pareil en fait. Voilà. Donc c'était le premier qui était sorti, mais franchement, il est pas mal quand même. Donc j'ai la Wii, mais j'ai toujours pas acheté Mario Kart Wii. Alors qu'on a passé des heures et des heures dessus à essayer de tout faire, et même pour le fun aussi. Alors là, normalement, je les sèche. J'espère que vous entendrez pas trop le bouton que je massacre. Le bouton A, bien sûr. Hop. Bon, alors là, j'espère faire un bon temps. Ouais, ça commence bien déjà. Hop, hop, hop. Putain, en plus, j'ai pas pris une voiture. Une poussette qui va assez vite. Mais bon, c'est parce que j'aime bien celle-là déjà. Je pense faire un score pas trop mal. J'espère pas finir dernier ou troisième ou ce qu'on veut. Mais ça a l'air de se dégager, donc c'est impeccable. En plus, j'ai pas Paratroopa de ce côté-là, mais je suis premier, donc j'aurai pas la triplite en carapace rouge. J'aurai juste que ça. Oh, j'ai failli manger sec. La carapace verte de merde là. Merde, putain. Chier là. Voilà, allez. Manger sévère. Et bien sûr, je passe à travers. Putain, je suis deuxième. Et voilà, je reprends de la vitesse. Mais vous allez voir, ils vont me redépasser normalement. Voilà, c'est le bordel. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, c'est le bordel. Tiens, mange ça, toi. Ça me ferait plaisir. Impeccable. Ouais, je suis premier, mais j'aime bien faire chier les derniers aussi. En repassant derrière et tout, c'est sympa. Merde, j'allais dire, c'est bon. Je suis passé, en fait, non, allez. Ah, connard. Ouf, oh, putain. Je me disais, c'est bon. En plus, là, je sais pas où ils sont, ils nous rattrapent comme des porcs, là. Ça va pas le faire. Allez, accélère. En plus, il me reste un tour. Accélère, accélère, accélère. Allez, des potes. Putain. Ouais. Merde. Oups. J'ai un peu cheaté la carapace. Ouh là là, il y a du monde là. Bon, c'est bon. Impeccable. J'ai fini premier. Normalement, avant, je rattrapais le 8e, le 7e et le 6e. J'arrivais à aller jusque-là. Après. J'arrivais pas non plus à leur mettre un tour à tous dans la vue, mais. Bon, je me démerde pas trop mal sur le parc Baby, j'avoue. Il est assez sympa. Bon, le désert sec aussi, il est un peu casse-couille, mais bon, c'est pas grave. Il est assez stylé. Allez. Oh putain, j'ai
J'ai toujours les Wawa machin à côté. Ça va pas le faire. Voilà. Ils ont une putain de puissance quand ils démarrent. C'est abusé. Vas-y, je me fais pousser dans tous les sens. Ah, franchement, la couleur de ma télé, elle est dégueulasse, quoi. Je vois même pas la différence entre le circuit en jaune clair et les bords en jaune foncé. En marron, ça va, mais en jaune foncé, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Putain, je l'avais oublié, celle-là. Et là, je pense que je ne suis pas non plus dans le jeu, là. Là, oui, c'est bon. Putain, c'est galère, quoi. Je vois même pas les... Parce que normalement, quand on passe et tout, on voit le sable derrière qui passe. Et... pardon. Et là, en fait, je vois rien du tout derrière. C'est tellement trop clair, en fait. Franchement, c'est dégueulasse. Mais je le règle aussi comme ça pour... je crois que c'était Time Splitters, parce que sinon, je voyais rien, en fait. Et... c'est vraiment moche, en fait. Mais c'est pas grave. Oh, oups, là, casse-toi. Eh, tiens, encore, prends ça. Allez, j'aime bien. Allez, tiens, vas-y. Là, 3 fois de suite, c'est sympa aussi. J'aime bien. Donc, allez, on y va. Faut que j'essaye de récupérer le dernier, là, parce que les dernières... Hein, les pucelles de Saint-Jean, là. Donc, voilà. Hop. Ah merde, j'allais dire c'est bon, je les ai séchés en fait, non c'est mort. Et elle passe bien comme il faut au milieu. Ouais, salope. Youhou, on y va. Oh putain, alors là c'est jaune de partout, c'est affreux. Ah putain la pute. Oh putain la tornade de merde. Ouh, putain, elles vont passer devant. Elles vont passer, ben, ils vont tous passer devant en fait. Ah non mais en fait il reste un tour. Ah c'est bon. J'avais oublié le troisième tour. Bon, bah c'est bon, impeccable. Au cas où. Voilà. Hop, grosse banane de Diddy Kong. C'est le coup spécial, bordel. Je sais pas comment j'ai fait pour l'esquiver, parce que normalement, une carapace rouge, on l'esquive pas, à moins d'avoir un objet où on peut le... Et allez, merci, connard. À moins de... De prendre une carapace verte et je suis passé trop bas. C'est bon, j'ai réussi à sortir. À moins d'avoir une carapace verte et de la lancer au bon moment. Et putain, là c'est jaune partout. J'avais oublié. Et voilà, et de la défoncer, la carapace rouge. Ah oui, si on tombe au milieu aussi là-bas, au milieu du trou, en fait il y a une espèce de plante carnivore là qui est dans les Mario habituels. Et en fait elle vous bouffe et tout, et puis vous recommencez juste après le trou en fait. Mais vous perdez du temps, vous perdez des places et tout, donc franchement c'est vraiment affreux quoi. Donc voilà. Et bon ça y est, on a fini la coupe champignon là. On a fini la coupe. Bon elle était tranquille hein, franchement. Hop, le paquebot des îles là-bas derrière. C'est une... C'est un circuit aussi. Il y a un circuit sur le paquebot. Bon, bah là, le circuit, il est déjà fait. Ta-da-da. C'est une voiture qu'on débloque aussi, celle-là. La voiture jaune, là. Il y a les premiers dessus, donc nous. On la débloque, celle-là aussi, et voilà. Et on débloque pas mal de trucs, en fait, hein, finalement. On débloque des cartes multijoueurs supplémentaires. Des cartes ouais, multijoueurs où on peut jouer entre amis. Bon là il n'y a pas le en ligne hein, bien sûr hein, Mario Kart double dash, il n'y a pas de en ligne, donc voilà. Et donc bah c'est tranquille. Qu'est-ce qu'on a gagné alors, voyons. Vous avez gagné le trophée, ouais bon d'accord, ça ok. Vous avez gagné la Bibi Mobile. Ah ok, en vert. Bah écoutez, c'est sympa, merci. Après, une fois qu'on a fini le jeu aussi, on a un fond d'écran et tout, encore mieux que ça, sur un fond noir et tout, ils apparaissent tous bah, à peu près comme ça en fait. Mais encore mieux fait quoi. Et il est franchement bueno. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, bon je vous laisse l'intro. Cette petite vidéo bien sympa avec Mario et Luigi
et tout le petit monde du royaume champignon, vous aura fait plaisir et on se retrouve vendredi pour l'épisode 8 qui est en cours de montage. Donc sur ma chaîne vendredi. Et donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et à vendredi. Ciao ciao tout le monde, bye. Tout.